Les pompiers de Seine-Maritime ont été submergés d'appels ce matin. Les fortes pluies d'orage ont causé d'importantes inondations partout dans le département. L'autoroute A150 a été brièvement coupée dans les deux sens. Au total, les pompiers ont dû effectuer 150 interventions. Pourtant, rien d'exceptionnel selon Météo France. Et pour ce soir, que les Normands se rassurent, le plus dur est passé. On attend des averses un peu comme ce matin qui peuvent être assez marquées avec des forts cumuls de pluie, éventuellement de la grêle par endroit et puis quelques rafales de vent autour de 60 km/h. Les orages faiblissent en début de nuit et puis ensuite s'évacuent par le nord et par la Manche et on a un temps plus calme pour le reste de la nuit. Dans l'heure, très peu touchée par les orages, l'alerte orange se termine à 20h. La Haute-Normandie sera donc en vigilance jaune demain, mais prudence quand même si vous prenez la route ou si vous avez prévu de camper.